Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un haul Amazon, voilà. Alors ce n'est que pour le coloriage et voilà, hop, 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 c'est lourd, tout ce que je dois vous montrer, voilà. Alors on va poser tout ça. On va essayer de rien faire tomber. Et j'ai mis mon téléphone de façon que je puisse vous montrer les choses à l'endroit. Alors pour faire ça, j'ai mis mon téléphone à l'envers et je me suis mis un miroir derrière mon téléphone. Comme ça, je me vois. Et vous voyez tout ce que je vais vous montrer à l'endroit. Voilà. Il faut employer des techniques. Alors ça, je vous montre après. Ça en premier. Alors comme, ah ben si j'ai un couteau donc c'est bien. En premier, je me suis pris, alors c'est cannelle, cannelle dorée qui est, fait partie de mon groupe de coloriage doré avec qui on en a parlé hier. Elle m'avait parlé du stylo drawing gum. Je l'avais déjà vu puis bon, j'ai jamais commandé et du coup quand on en a parlé hier, ben comme ma commande n'était pas encore partie, j'ai dit je vais le commander. Donc voilà, j'ai commandé le stylo brown gum. Je fais du bruit, j'espère que la lumière est bonne hein, quand même. Mais alors voilà comment ça se présente. Alors, le drawing gum, vous savez, c'est, voilà, moi j'ai le pot déjà. Et c'est pour, c'est un liquide de masquage, pour une gomme de masquage, pour que vous puissiez mettre sur le dessin de vos coloriages, quand vous avez besoin de faire des fonds, pour ne pas en mettre sur votre coloriage, votre dessin. Et le stylo, c'est pour faire des parties qui seraient très fines. Ou alors, pour si vous voulez faire des dessins dans le fond, dans vos fonds. Donc, je vous ferai un tuto avec, par exemple, si vous voulez faire des fleurs, des étoiles, je ne sais quoi, des traits, des ronds, et puis, vous voulez après faire votre fond. Après, vous gommerez le drawing gum et dans votre fond, bah, vous aurez des étoiles, des ronds, voilà, etc., qui seront blancs. Donc ça, je vais vous faire un tuto avec pour vous montrer comment faire, faire des motifs dans vos fonds avec ce stylo. Voilà. Donc ça, alors je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme je fais d'habitude pour vous les retrouver. Hop, oups, j'allais faire tomber mon pot. Ensuite, alors je vous avais déjà parlé il n'y a pas longtemps des blenders, mais Prismacolor. Je les ai trouvés en France, donc chez Amazon. Donc c'est pour estomper, hein, ça estompe, c'est incolore. Bon, là ils sont pas taillés, il faut que je les taille. Donc c'est pour pouvoir mélanger, superposer et atténuer les contours des dessins au crayon de couleur, voilà ce qu'ils disent. Ça permet de mélanger vos couleurs. Attendez, si j'allume là, est-ce que ça fait pas mieux? Ou non, ça fait fantôme. Non, ça fait pas mieux. Par contre, je vais peut-être allumer la lumière là-bas. J'ai l'impression qu'on est sombre. C'est un peu mieux. Voilà. Excusez-moi. Alors, ça, ce sont donc des crayons estompeurs. Donc, pour estomper vos couleurs. Quand vous avez deux couleurs à estomper, ou même une seule.
Voilà, et donc moi je cherchais les Prismacolor, je les ai trouvés, donc les voici. Donc ils sont en bois, alors je vais en ouvrir un. Hop. Allez. Je vais essayer d'en sortir un. Voilà. Il veut pas. Vous savez que je suis toujours Gaston Lagaffe, hein, moi, quand je présente des choses. Voilà. Oh, mais quand même. Donc, voilà. Donc, il est en bois, il est rond. Donc, on a une référence. Donc, c'est le PC1077. Et donc, il me reste plus qu'à le tailler parce que là, ils ne sont pas taillés ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je vais le tailler pour qu'on voit comment la mine allait. Donc, je vais le tailler avec mon gros trait de crayon. Voilà. Et donc, voilà la mine. J'espère que ça floute pas trop. Si ça floute, voilà. Voilà la mine que ça donne. Donc, c'est pareil, quand je ferai des colos et que j'aurai besoin d'estomper, je vous montrerai, pour celles qui ne connaissent pas, comment on s'en sert. Donc, voilà. Donc là, vous en avez deux par paquet. Donc, c'est très bien. Hop, on va le remettre dans son petit paquet en attendant. Donc, ça, c'est des... Bon, c'est... comme ce ne sont pas pour rien, parce que c'est du Prismacolor. Hein. Ça coûte 8,25 €. Mais, je viens de le dire, c'est du Prismacolor. Ensuite... des stylos, on va dire. Alors, je cherche en français. Je préfère lire avec le français. Stylo gel, voilà. Cela. Alors, ils sont... alors, c'est pour dessiner, écrire et ajouter des reflets, encre gel pigmentée et à base d'eau. Imperméable, résistant à la lumière et à la décoloration, débit d'encre constant. Voilà. Donc ça fait une couleur blanche. Et donc vous avez trois stylos avec. Et la mine est différente. Vous avez une mine de 0,3 mm, 0,4 mm et 0,5 mm. Voilà. Donc, pareil, on va en sortir un. Donc, ça, c'est pareil. Je vous montrerai sur un dessin ce que ça fait. Donc, voilà le stylo. Donc, ça, c'est le plus gros, je crois. Oui, ça, c'est le plus gros. Alors, je vais essayer que ça ne floute pas. Voilà. Je vais essayer de vous montrer les trois mines. Alors, du plus petit au plus grand. Voilà, donc les trois mines. Donc celui d'en bas, c'est le plus gros, le moyen au milieu, bien sûr, et le plus fin en haut. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça va vous permettre de faire des petits rajouts sur vos coloriages, dans les cheveux, par exemple, ou des petits rajouts de blanc, des petites...
des petits traits blancs, des petits, pareil, des petites étoiles, des petits, voilà, tout ce que vous avez besoin de faire avec du blanc. C'est des stylos gel, donc moi j'en avais déjà un, mais pas la même chose. Il est où? Ouais, j'avais déjà celui-là, le Unibol Signaux, vous voyez, j'avais déjà celui-là. Donc là, ceux-là, je les vois souvent dans les vidéos. Donc, j'ai dit, je vais les essayer. Donc, pareil, je vous montrerai ce que ça donne. Ensuite, avec qui j'ai parlé de ça? Ben, je crois que c'est encore Cannelle, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, désolée, mais je crois que c'est Cannelle. Alors, ça, je ne les avais pas. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Par contre, il y a des boîtes de plusieurs tailles. Et comme je n'en avais pas du tout, j'ai préféré acheter d'abord la petite boîte. Parce que je veux d'abord les essayer. Parce que bon, c'est un prix assez conséquent. Quand on parle des grandes boîtes. Hein. Je vais d'abord prendre... Alors, c'est pour ça que je suis en train de regarder si je vois les grandes boîtes tout de suite sous mes yeux. Non. Oui, la boîte modèle au-dessus. Vous voyez, le modèle au-dessus fait déjà 39 euros. Mais après, il y a encore les plus grandes boîtes. Donc, je vais vous attendre en train de vous dire, mais de quoi elle nous parle là, on n'en sait rien. Alors, c'est... Donc, ça doit être Cannelle, je crois. Elle me redira en commentaire si c'est bien elle. Elle voulait que je fasse un tuto pour voir comment on se sert de ces crayons que je connaissais, bien sûr, mais que je n'avais pas encore acheté. Et donc, bah, c'était l'occasion. Mais comme j'ai dit, j'ai acheté la petite boîte. Donc, c'est ça. C'est les Faber-Castell, les Pitt Pastel, voilà. Donc, là, je n'ai pris que la boîte de 12 pour l'instant. Parce que, ben, je vous dis, là, vu le prix, les Faber-Castell, vous savez très bien que c'est des prix. C'est la marque, c'est une grosse marque, une très bonne marque. Et donc, les prix sont en conséquence. Et donc, je ne voulais pas prendre tout de suite la grosse boîte parce que bon, ben, je voulais voir si j'en avais l'usage aussi. Donc, je me suis dit, je vais d'abord prendre la petite. On va essayer. On va voir si j'en ai l'usage. Et puis, après, ben, je reprendrai peut-être une plus grande boîte par la suite. Alors... ce que je vais faire, je vais baisser le téléphone, ce sera plus simple pour que vous voyez mieux. Alors attendez, n'ayez pas peur. Voilà. Hop. Je vais l'avancer un peu. Donc voilà la boîte. Donc... Je vais pousser mes petites affaires. Donc, il y a les 12 crayons. Donc, les crayons sont en bois. Voilà. Donc là, ce sont des pastels, hein, des pastels sèches. Donc, c'est... bon, on peut colorier avec hein, si on veut. Mais on peut faire du dessin avec. On peut, vous voyez, comme ici, hein, sur le modèle... je ne sais pas si je vous voyais à l'envers ou à l'endroit là, mais bon. Donc, c'est pareil. Ça, je vais vous faire un tuto parce que là, ce serait compliqué de vous montrer là tout de suite pendant le haul. Comment s'en servir. Donc, je vais faire ce tuto certainement demain. Comme ça, ce sera fait rapidement. Mais je vous parle tout de suite des crayons. Donc, alors, ils sont en bois.
Donc, sont bien marqués Faber-Castell, Pitt Pastel, Germany, hein, ça c'est allemand. Là, il n'y a pas de danger, ça vient pas de Chine. Hein. On a le numéro, la référence. Et on a les points. Alors, les pointes, oui, comme ceci. Alors, au niveau couleur, pour celle-ci, alors là, je vais avoir un noir, un marron, un vert clair, un vert plus foncé, un bleu clair, un bleu plus foncé, un violet, un rouge. C'est rien, c'est Géry qui tousse. Oh là là, ça y est, il tousse, il tousse. Un rouge orange, un orange plus clair, un jaune et un blanc. Voilà, ça ce sont les couleurs qu'on trouve dans la boîte de 12. Alors dans cette boîte, on va trouver, donc il y a la petite pub hein, de Faber-Castell. Donc là, on a les références des couleurs. On va avoir le petit livret. Bon, c'est un peu écrit dans toutes les langues, donc il faut chercher là où c'est écrit en français. Ils expliquent justement comment se servir des crayons. Alors, par exemple, les artistes utilisent le crayon pastel Pitt comme complément idéal au crayon pastel Polychromos. Pour les premiers traits, pour retravailler les détails subtils, pour ajouter une touche lumineuse au dessin, la forme du crayon permet une prise en main propre et simple. Et pour tailler le crayon, utilisez un taille-crayon ou un couteau de taille. Voilà. Et après, bon, il donne des petits conseils. Hein. Donc là, bon, je vais pas vous lire tout le petit livre, mais il donne pas mal de conseils pour comment utiliser Ah tiens, alors il dit colorier les grandes surfaces en repassant sur les couleurs avec un pinceau et de l'huile pour bébé. Ah oh, tiens, il va falloir que j'achète de l'huile pour bébé pour essayer. Voilà, bon là c'est qu'il continue à donner des conseils. Là, la bombe, je vais vous expliquer parce que ça j'ai. Voilà. Ici, bon, il montre le matériel que l'on peut avoir pour utiliser les pastels, les crayons pastels, les différentes boîtes. Voilà. Alors, il y a la 12 couleurs, la 24, la 36 et la 60 couleurs. Donc, la 60 est dans les 100 euros. Et ici, on a le nuancier avec toutes les couleurs. Qui existe, voilà. Donc ça, je ferai un tuto pour montrer comment les utiliser. Bon, j'aurai peut-être pas l'huile de bébé d'ici demain, mais bon, quand j'en aurai, je vous montrerai aussi avec l'huile de bébé. Alors, quand on a les pastels sèches comme ça en crayon ou en bâton, il est bien de fixer ces couleurs avec un fixateur. Donc moi j'ai pris le Frambourgeois, donc je vais voir ce qu'elle donne hein. Elle est mate, donc ça c'est pareil hein. Le jour où je ferai donc la pastel, je vous montrerai comment s'en servir, parce qu'il faut pas s'en servir pile devant le dessin hein. Vous devez vous en servir à 30-40 cm de votre dessin, d'une certaine façon, voilà, pour pas qu'il y ait des traces sur votre dessin. Voilà. Donc ça, c'est pour fixer les pigments
de votre pastel, de vos pastels. Et en même temps, ça protège aussi des taches, de la poussière, voilà. Donc ça, je vous montrerai, vous voyez, c'est une bombe, hein, toute simple. Je vous montrerai donc avec les pastels comment on s'en sert. Voilà. Donc voilà, pour les petites choses. Alors, je vais peut-être rester comme ça, parce que là, je vais vous montrer quelque chose qui prend de la place. Alors, oui, alors je vais mettre ça sur le côté. Et je vais reculer un petit peu. Je fais de la place, hein. Je vous remonte. Oh, pardon, vous voyez mes doigts. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Alors, j'ai fait un petit cadeau à Chouchou. Parce que lui, vous savez, peut-être que tout le monde ne sait pas, mais il fait, lui, que du coloriage mystère. Et là, il commençait à me dire que ses feutres commençaient à s'user, voilà. Il commençait à me demander si à Action, il y avait des nouveaux feutres et tout. Mais bon, il n'y a pas de nouveaux feutres à Action, c'est toujours les mêmes. Donc, j'ai trouvé cela. Les Dual Brush Pens. Il y a 120 feutres dedans. Ils sont dans une pochette déjà. Alors ça, c'est super que ce soit déjà mis dans une pochette. Et je vais vous montrer. Alors, ce qui est super, alors, il les a essayés hein, cet après-midi. Bon, pas longtemps, mais il a essayé un petit peu. Donc, il les a essayés sur un coloriage mystère. Ça ne transperce pas, les filles. Ça ne passe pas à travers. Donc, vous pouvez y aller. Alors, dans cette pochette, alors vous avez avec voilà, des petits embouts de feutre de rechange. Voilà. Alors, pour les gros feutres et pour les fins. Voilà, puisque ce sont des doubles pointes. Là, c'est la première fois que je vois qu'il y ait ça dans des boîtes de feutre. Alors, donc je vous ai dit, il y a 120 feutres. Le seul petit hic, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'ils ne sont pas numérotés, mais bon, ça c'est pas très très grave. Donc voilà, donc là les premiers, je vais vous montrer un avec les mines. Hein. Voilà les deuxièmes, les autres couleurs. J'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà, je monte peut-être un peu trop. Voilà, donc ça c'était ce que je viens de vous montrer. Et de l'autre côté, voilà, donc vous voyez, il y a énormément de couleurs. Donc tout déplié, ça fait ça. Voilà, et donc, j'en avais encore donc de ce côté-là. Je vais vous montrer les mines. Bon, je prends n'importe lequel, hein, c'est pareil. Donc voilà comment se présente le feutre. Donc vous reconnaissez tout de suite la pointe fine de la pointe brush, puisque le bouchon est plus petit là que là. Alors, hop, ici. On a la pointe fine. Alors, j'ai essayé que ça ne floute pas. Voilà. Et de l'autre côté, la pointe brush, pinceau. Voilà, on va parler français. Hein. Oh, ça floute. Ça floute.
Voilà. Donc voilà. Là, en plus, il m'a dit, ah là, j'ai toutes mes couleurs, je suis tranquille. Donc là, c'est vrai que plusieurs camaïeux de marron, plusieurs camaïeux de bleu, de vert, de rouge, de rose, de orange. Il y a vraiment de quoi faire là avec cette trousse. Et ces petites pointes là de rechange pour les feutres, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, et le plus, c'est de les avoir déjà en pochette. Alors, attendez, je referme. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Pour moi, oui, encore pour moi. Bah, je crois que c'est encore cannelle. Je sais plus. Il faudrait que je retourne sur le groupe, mais bon, il commence à y avoir beaucoup de commentaires sur le groupe, donc je ne sais plus qui a fait le coloriage. Attendez, il faudrait que je retrouve le coloriage, mais bon, bon, je crois que c'est elle, mais je ne sais plus. Je trouve. Là. Oui, c'est ça, c'est cannelle. C'est elle qui me dit, qui me parle de tous les bons plans. Alors là, c'est un bon plan pour les petits budgets, je vais dire. Et vous voulez des bons crayons. Alors moi, je ne les ai pas encore essayés, hein, puisque je les ai reçus cet après-midi. Mais du coup, donc j'ai quand même vu des dessins dans le groupe, dans mon groupe de coloriage fait par donc par cannelle. Donc j'ai vu le résultat, j'ai vu ce que ça donnait. J'ai vu des vidéos également. Donc si vous êtes, vous ne pouvez pas vous acheter les boîtes très chères, les Prisma, les Faber-Castell, les ceci, voilà, qui coûtent quand même un certain prix. Cette boîte ici est un bon compromis, je trouve. Voilà. Alors, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, c'est les Brutes Funaires. Voilà. Brutes Funaires. Et il y a 180 crayons. Donc, c'est pas mal. Donc, en ce moment, parce que bon, vous savez qu'Amazon, ça fluctue hein, les prix. Mais en ce moment, donc, moi, je... bon, je vais retourner sur la fiche parce que là, je ne vois plus le prix. Elles sont à 43,99 €. Bon. Pour une boîte de 180 crayons, c'est pas mal. Donc, vous avez le petit carton qui emballe. Alors... Quand j'ai déballé ce petit carton, ça m'a fait rire. Parce que bon, c'est vrai que quand vous l'avez vu, c'est joli. Hein. Mais j'ai vu dans les avis sur Amazon, une personne qui râlait, qui râlait hein, carrément, parce que le dessin, ça, donc, n'est pas sur la boîte. Donc, la personne disait, oui, je me suis fait rouler, le dessin, il n'y a même pas de dessin sur la boîte est toute noire. Ben oui, cucu, c'est un emballage en carton. Je vous jure, il y en a. Alors, mais, qu'il n'y ait pas de fleurs sur la boîte, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Hein, c'est plus important, je trouve. Donc, une belle boîte en métal. Donc, c'est une boîte en métal noir. Voilà. Et je vais vous rebasculer pour que vous voyez mieux ce qui se passe à l'intérieur. Hop. Oula. Ça, oulala, je vous penche. Voilà, c'est bon.
Donc, voilà la boîte. Je vous ai penché de trop, ça va pas. On voit mes gros doigts, ça va pas. Bon. Je vais couper ce qui bouge hein, au montage. Voilà. Donc, voilà la boîte. Vous continuez à pencher, mais bon. C'est pas mon pied. Donc, vous avez un couvercle en métal. C'est un couvercle qui se retire. Et vous avez un nuancier. Donc, vous pouvez faire votre nuancier pour votre boîte. Donc, voilà les crayons. Ils ressemblent un peu au Castel Art Supply, je trouve. Donc, voilà. Donc, vous avez le nom de la couleur, le numéro. Là, le rappel de la couleur. Hein. Et alors, comme là, je ne vais pas voir le retour. Oup, oup, oup. Voilà, les pointes. Je suis où? Je suis là. Bon, là, les pointes sont petites et carrées hein, pour la boîte. Donc, ce sont des crayons ronds. Là, ils sont pas rangés comme moi. J'aime bien qu'ils soient rangés, mais ça, c'est pas un problème. Je le referai moi-même par la suite. Moi, j'aime bien que ce soit rangé par numéro. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer le nombre de couleurs de racks qu'on a. Donc, on a un rack. Donc là, les rouges, les jaunes, les verts. Un premier rack. Ici, on a quelques couleurs pour faire des couleurs chères. Voyez. Donc, c'est pas mal. Donc, un deuxième rack. Ici, toute une nuance de bleu et de violet. Donc là, on passe vraiment par tous les bleus et les violets. Donc, trois racks. Les violets continuent ici. Là, nous avons toute une nuance de vert. Donc, on est à 4 racks. Ici, on va avoir, alors, je crois que c'est noir là, oui, des noirs marrons, tous les marrons, des verts kaki. Oui. Là, des marrons. Là, il y a des violets. Là, il y a des bleus-verts, des kakis, des verts très foncés. Alors, celle-ci est collée dans le fond, donc je ne peux pas vous la retirer. Mais c'est la dernière. Donc, j'espère que vous allez bien la voir. Donc là, pareil, nous avons des marrons. Quelques gris, ça va, il n'y en a pas énormément. Et on a encore toute une beaucoup de marron, donc ça c'est bien pour faire les cheveux. On va avoir faire beaucoup, on va pouvoir faire beaucoup de nuances de cheveux, du blanc, de l'argenté. Je crois savoir qu'il y a des couleurs irisées dedans, mais je ne saurais pas vous dire lesquelles. Je le saurai en faisant le nuancier. Quand j'aurai fait le nuancier, je vous le dirai. Mais là, j'ai le... Alors, celui-là, le Metallic Silver. Ça, c'est le blanc. Metallic Gold. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres métalliques. Donc, ça, c'est...
Bright Orange Yellow. Il y a d'autres métalliques, je sais, mais il faudra que je regarde. Voilà. Smoky Gray. Donc, celui-là, ça doit être... Oh, mon Dieu. Ça y est, je fais des bêtises. Donc, voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 racks. Bon, donc 180 crayons. Donc là, après, par la suite, pour que ce soit plus pratique, je vais m'acheter une trousse. Même pour mes autres boîtes, de toute façon. Parce que c'est embêtant dans les boîtes. Donc là, je ferai le nuancier. Je le ferai peut-être avec vous. Voilà, pour cette boîte de crayons de couleur, qui, je me dis, pour les petits budgets, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Et ayant vu des dessins faits avec, non, je trouve vraiment qu'elle est bien. Voilà, avec sa petite boîte. En plus, même si je refais, je mets dans une trousse, la boîte, elle sera pas perdue. Parce qu'elle est... Alors, je vais remballer ça tout de suite. Si j'y arrive. J'y ai arrivé tout à l'heure, je vais plus y arriver maintenant. Ah, voilà. Donc, voilà. Ensuite. Alors, pour Chouchou. Et là, alors, ça, c'est un que moi, je lui ai pris, en plus. Coloriage mystère. Donc, celui-là, c'est les grands classiques, le tome 4. Donc dans celui-là, il y a combien, je ne sais pas s'ils disent. Donc c'est bon, ça là vous connaissez, hein, c'est numéroté. Est-ce qu'ils disent combien il y a de dessins? Là, je le vois. Ben, il y a 100 dessins. Voilà. Alors, je vais vous les montrer un peu comme ça. Pas tout, parce que sinon, comme c'est du mystère, après, vous aurez plus de... Voilà. Hop. Donc, voilà. Celui-là, c'est pour Chouchou. Celui-là aussi. Ça, c'est lui qui l'avait choisi. Alors, c'est 100 portraits à colorier. C'est un trombinoscope. Et c'est toujours en coloriage mystère. Donc, il y en a 100 aussi. Et vous voyez, donc, c'est toujours en coloriage mystère. Il adore ça. Il ne fait que cela, de toute façon. Et donc là, bon, c'est pareil, je ne vais pas tous les montrer. Parce que sinon, je vais vous les spoiler si vous l'achetez. Donc, c'est toutes des célébrités qui sont dedans. Voilà. Et dernière chose. Donc, ça. Hop. Je me suis dit... J'ai eu envie de me... de m'essayer au coloriage mystère. Oui, pourquoi pas. Je n'en ai jamais fait, sauf quand j'étais petite. Hein. Et puis là, à force de voir Chouchou en faire, j'ai dit, tiens, si j'en faisais un de temps en temps, ça j'aimerais bien.
Et j'ai trouvé celui-là. Alors, c'est le tout nouveau. Il est sorti aujourd'hui. C'est vraiment le tout dernier de Coloriage Mystère Disney. Hier, sur Amazon, il était en précommande. Il sortait donc aujourd'hui, le 26 mai. Et donc, si je le faisais en précommande hier, donc je pouvais le recevoir donc déjà aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le tout dernier. Et donc, comme je n'ai juste en plus, il n'y avait aucune image à part la couverture, il n'y avait aucun avis d'acheteur. Donc, je n'ai pas pu voir de photos, rien du tout. Je ne suis pas déçue. Je suis pas déçue. Je sens que les petits coloriages que je ferai dedans de temps en temps vont me plaire. Donc, c'est Babies. Donc, ce sont les bébés Disney. Et il y en a une centaine aussi. Voilà. Donc, vous voyez, Pampan, Dumbo, Michel, Marie, voilà. Donc, je vais m'y essayer. Bon, je n'ai pas dit que je ne vais pas y arriver. Hein. Je serais un peu bête de ne pas savoir le faire. Hein, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais bon, voilà. Donc, je vais juste vous montrer comme ça un petit peu. Voilà. Pas tout, hein, parce que en plus, c'est le tout nouveau, tout nouveau. Voilà. Alors, il y a Bambi, il y a Tigrou, voilà, il y a plein de choses. Et là, je l'adore déjà. J'ai dit, waouh, je suis trop contente de l'avoir choisi, celui-là. Et je crois que je vais me régaler avec. Je ne vais pas en faire tous les jours. Hein. Non, non. Je garde mes coloriages traditionnels que je fais d'habitude. Et celui-là, bah, je m'en ferai peut-être un par semaine, on va dire. Voilà. Ouais, on se le fera peut-être le dimanche ou je verrai. Mais là, je me suis dit, j'ai vraiment bien choisi et je l'adore déjà. Alors, moi, je vais certainement le faire au crayon de couleur, je pense, pour l'instant, pour démarrer. Puisque moi, je n'ai pas de feutre qui ne transperce pas. Voilà. Donc, on verra par la suite, à moins que je me rachète des feutres comme j'ai acheté à Chouchou. Hein. Mais bon, je vais d'abord faire au crayon de couleur et je verrai. Je ferai de toute façon avec les bruits de fumeur. Je vais faire avec ceux-là et je vais voir ce que ça donne. Et là, j'ai hâte d'en commencer un et puis on verra ce que ça donne. Voilà. En tout cas, je suis contente, contente, contente. Voilà. Donc celui-là, c'est vraiment le tout dernier. Qui vient de sortir. Donc voilà. Là, c'était donc tous mes petits achats que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, il y a un achat que j'ai pas reçu. Je vais l'avoir non pas demain, après-demain, je crois. Donc, c'est un livre de coloriage. Ben, je vous le montrerai quand j'aurai reçu. Du coup, je ne pouvais pas vous le montrer aujourd'hui. Ben, c'est rien, ce sera l'occasion de vous refaire une vidéo. Et là, alors, je vais vous montrer une petite chose. Hop, je ne vais pas faire tomber. Ce matin, je suis allée chez Action. Et il y avait donc les 60 Twin Markers. Voilà, donc la grosse boîte. Avec le petit meuble, enfin le petit meuble, le petit rangement. Et ils sont en promo. 9,95. Ils sont en promo jusqu'à mardi soir, donc. Donc au lieu de 14,95. Donc du coup, j'en ai profité. Alors, je vais. Du coup, là, je l'ai déjà déballé. Hein. Je ne vais pas faire comme l'autre jour, hein, tout faire tomber. Donc voilà les couleurs qu'il y a dedans.
n'y a pas de doublon, donc c'est déjà bien. Donc là, j'ai le petit meuble. Donc du coup, je l'ai installé à côté de mes aquamarqueurs. Voilà, je cherchais. Et là, bon, les anciens feutres à alcool, pour l'instant, du coup, je les ai remis dans le tiroir. Mes anciens feutres à alcool, eux, sont en haut dans l'atelier. Donc voilà. Je ne suis pas sans feutre à alcool. Et pourtant, c'est ce que j'utilise le moins. Mais bon. Donc voilà. Et ça, maintenant. Donc, je le remets là. Ah. Je n'ai pas rien faire tomber. Et je vous remonte. Coucou. Voilà. Et je vous referai peut-être une petite vidéo du bureau dans la semaine. Parce que là, bon, c'est un peu le fatras. Et je vais peut-être vous montrer juste. Alors, si j'y arrive. Hop, vous voyez, du coup, là, j'ai mes aquamarqueurs. Donc, le petit meuble, là, ça, c'est ceux que j'avais déjà avant qui sont en pochette plastique. Voilà, et du coup, ceux que j'ai achetés ce matin, les feutres à alcool sont là. Voilà, mes petits bouquins sont là, enfin, une partie des bouquins. Mais du coup, je vous referai une vidéo du bureau de coloriage, si vous le souhaitez, dans la semaine. Mais il faut que je range. Mais déjà, il faut que je range tout ce que j'ai acheté, enfin, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo haul. Alors, voilà, j'ai plein de tutos à vous faire, du coup. Je vais vous préparer tout ça. Je vais vous faire le tuto pour le stylo drawing gum, un tuto pour les crayons Pic Pastel Faber-Castell. Vous montrer aussi pour les stylos gel. Tiens, il y a une fifi qui passe. Après aussi, il faut que je vous montre du coup les crayons estompeurs de Prismacolor, aussi pour la bombe, où je vous montre. Donc ça, je le ferai en même temps que les crayons pastel, et que je vous montre également les crayons de couleur, donc les résultats que ça donne. Voilà. Hein, Fifi, t'es d'accord? T'es d'accord avec maman? Oh, elle est d'accord avec sa maman. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui aura quand même duré un petit moment, plus de 3 quarts d'heure, oh, pour un haul, c'est un peu long, non? J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire. Et nous, on se retrouve donc très rapidement pour toutes ces vidéos prévues de tutos, de coloriage, plein de choses. On se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.